Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Supprimer et se désinscrire. Nous allons voir aujourd'hui comment gérer un compte Supercell ID. Alors, ID Supercell dit Clash Royale, Brawl Stars, Clash of Clans, Heyday et Boom Beach. Tous ces jeux peuvent être installés sur un iPhone, sur un iPad ou sur un appareil Android, à condition d'avoir l'application Google Play Jeux. Donc sur votre appareil Android, dès que vous installez le jeu, il vous demande de se connecter à Play et de décider d'avoir un compte local ou un compte en ligne appelé Supercell ID. Dans cette vidéo, on vous montrera comment gérer votre compte, ce qui veut dire se déconnecter, ajouter un autre utilisateur ou changer d'appareil, supprimer définitivement votre compte Supercell ID et l'annuler sur Google Play et sur Google. Et enfin, voir comment contacter le support d'aide du jeu via le formulaire. Donc, on commence. Lancez votre jeu. Il y a une petite différence entre les jeux sur l'emplacement du menu paramètres. C'est directement sur l'icône d'engrenage ou bien sur l'icône de trois traits puis paramètres. Ça va dépendre de votre jeu. Et le reste, c'est identique. Donc, on va commencer par se déconnecter et changer d'utilisateur. Appuyez sur l'icône d'engrenage ou bien sur l'icône de trois traits et sélectionnez Supercell ID. Cliquez sur Paramètres. Ici, vous allez trouver votre adresse email connectée au compte. Et en face, cliquez sur Déconnexion. Si vous souhaitez vous connecter avec un autre utilisateur, alors reconnectez-vous de la même façon et insérez la nouvelle adresse email. Sinon, pour changer d'appareil, utilisez cette même adresse que vous venez de se déconnecter d'elle sur votre deuxième téléphone. On passe tout de suite à la deuxième étape qui est supprimer le compte Supercell ID. Cela peut se faire sur plusieurs étapes parce que le site n'est pas sérieux sur ce point. Donc, on va vous présenter comment être sûr que le compte est supprimé. Toujours on appuie sur l'icône d'engrenage ou bien sur l'icône de trois traits. On passe sur paramètres, puis on lance aide et assistance. Appuyez sur compte, puis appuyez sur accéder ou supprimer vos données. Dans un jeu différent, vous allez trouver compte, puis sécurité et équité du jeu. Ensuite, vous allez trouver le menu accéder ou supprimer vos données. Cliquez sur demander la suppression de vos données personnelles. Défilez votre page vers sa fin et appuyez sur nous contacter. Il y a ici une boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc, sélectionnez Supercell ID. Si le menu ne s'affiche pas directement, alors écrivez par exemple « Bonjour » et le dialogue va commencer. Choisissez le menu « Résilier Supercell ID ». Puis écrivez quelques mots sur la raison pour laquelle vous avez décidé de supprimer votre compte Supercell. Et enfin, attendez que le site vous contacte. Cela n'est pas clair. On ne sait pas si vous allez être contacté sur le jeu ou bien sur votre boîte email. Donc, pour s'assurer que le compte soit supprimé, on va procéder avec d'autres étapes. Donc, on va commencer par supprimer les données et vider le cache de votre jeu. Donc, visitez l'application Paramètres de votre téléphone. Appuyez sur Application et encore Application. Cherchez votre jeu et cliquez sur lui. Appuyez sur le menu Stockage et faites Supprimer les données. Maintenant qu'il n'y a plus de données conservées sur votre téléphone, on passe à la dissociation de votre jeu de Google Play Jeux. Donc, lancez l'application Google Play Jeux, cliquez sur l'icône de trois points et sélectionnez Paramètres. Défilez votre page vers sa fin et dans le paragraphe Vos données, appuyez sur Supprimer le compte Play Jeux et les données. Vous allez trouver le paragraphe « Supprimer les données d'un jeu ». Donc, appuyez sur « Supprimer » en face de votre nom du jeu et confirmez en appuyant sur « Supprimer définitivement ». Maintenant, on va passer à supprimer le compte Supercell de votre compte Google et annuler son accès. Cela est important parce que même si vous supprimez votre compte Supercell
via le jeu directement et vous gardez l'accès sur votre compte Google, alors l'application continuera à collecter des données sur vous et sur votre activité. Toujours sur l'application des paramètres du téléphone, passez en bas et trouvez le mot Google. Donc cliquez sur lui. Ensuite, appuyez sur Gérer votre compte Google. Défilez horizontalement la barre en haut et sélectionnez l'onglet Sécurité. Passez tout en bas et appuyez sur le lien Gérer les accès tiers. Cliquez sur le nom de votre jeu et faites Supprimer l'accès. Celle-ci est la dernière étape. Il nous reste à vous montrer comment contacter le site si la méthode directe ne fonctionne pas directement. Donc, sur votre navigateur, visitez le site supercell.com. Sur la barre horizontale, cliquez sur Support. Appuyez sur l'icône du nom de votre jeu. Cliquez sur le dernier menu Commentaires et Dépannage. Et puis sélectionnez Formulaire de contact. Appuyez maintenant sur Nous contacter. Remplissez le formulaire et envoyez-le. C'est la fin du tutoriel d'aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de s'abonner à la chaîne et de nous laisser un commentaire d'encouragement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.